Voilà donc bonjour bonjour à tous, c'est Battlefield Hero et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur comment faire une planque sous terre totalement invisible. Alors là, j'ai mis ça en fait pour point de repère hein, parce que sinon vous imaginez bien avec toute l'herbe qu'il y a sur la map c'est impossible de se retrouver. Non, le soleil va se coucher, je vais remettre le matin. Alors bon, moi j'ai ma petite idée, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, et là j'ai le levier. Juste prendre. Voilà, ceci. Hop. J'active, regardez bien. Hop. Bon, ouais, ce petit piston qui est en décalage, bon, enfin, hein. Ici après, il suffit juste de reboucher le bloc pour le levier. Et réactiver. Paf paf. Voilà. Bon, là j'ai ma petite planque souterraine. Frigo, cuisine et tout. Alors là j'ai fait une sortie de secours pour cas où s'il y a des mobs sur l'autre entrée. L'autre entrée. Je regarde par là-bas. Ah non, il n'y a pas de mob, c'est bon. Alors. Alors je vais ressortir par là pour vous montrer. Il va juste vous falloir d'une petite échelle parce que j'ai pas encore trouvé le moyen en fait de faire monter l'escalier pour pas péter le circuit ici. J'ai pas encore trouvé le moyen. Bon, on va faire rien. On va vous désactiver. Hop. Mettez l'échelle ici. Hop, vous montez. Vous cassez pas l'échelle. Et vous réactivez, regardez. Hop, et l'échelle va monter. Toute seule. Et là, vous pouvez la remettre dans le coffre. Voilà. Donc comment faire ce système? C'est très simple. Donc là, je la reproduis. Je vais écouter parce qu'en fait, sinon, je vois pas les mobs au fait devant ma maison. J'ai juste remarqué ça il y a 2 secondes. Là, alors, pour commencer, vous allez creuser un trou, donc 2, 1, 2, 3, 4, sur 4, donc 4 sur 4, quoi, et 1, 2, 3, 4, ouais, soit, je vais creuser la première couche, voilà, pour vous montrer un peu ce que ça donne, 1, 2, 3, 4, 5, mais si vous voyez, excusez-moi, ça commence mal, voilà. Vous allez creuser de 7-3 profondeurs. Une 3 de profondeur. Une 3 de profondeur. Et alors. Slash slash cut. Je vois pas ce qui s'est passé. Ok, ça a cuté ce bloc, c'est normal. Non. Ok, bon. Voilà. Donc voilà. Alors, une fois ceci fait, vous allez prendre donc des sticky pistons. Hop, vous allez prendre la matière dans laquelle vous êtes. Par exemple, si vous êtes dans, sur de la pierre pour bien confondre, en fait, vous allez prendre de la pierre, etc. Voilà, des sticky pistons, des torches de redstone, des répéteurs et de la redstone, et c'est tout. Un levier. Hop. Alors, vous allez remplir la première couche ici. Et après là, vous allez mettre vos sticky pistons. Comme ceci. 2, 4. C'est-à-dire comme. Merde, qu'est-ce que ça fout ça? Hop. Comme ça. Bien mettre 2 de hauteur hein, de sticky pistons, sinon ça ne va pas fonctionner. Les blocs vont rester. Et ici, sur le sticky piston là, je vais la refaire. L'autre rangée. D'ailleurs, je suis ouvré. Voilà, 3 profondeurs, je me disais bien, je me suis ouvré. Alors. Et vous allez mettre ensuite des pistons collants, mais vers le haut. Comme ça. Ça doit vous donner ceci. Ici, à 1 de hauteur, c'est-à-dire à 1, vous comptez 1 à partir du stick piston. Et là, vous allez mettre des délayeurs. Donc, j'ai oublié les outils essentiels. Une pelle, enfin voilà. En tout cas, quelque chose pour casser les blocs. Alors, vous allez mettre ici des délayeurs. Et vous allez relier tous ces délayeurs ensemble. Ensuite, vous allez relier en fait tout ça au délayeur ici. Donc, je vais refaire. Hop, donc ça va là. Voilà.
ici. Excusez-moi, ça c'est un ancien fil de redstone que j'avais utilisé. Alors. Oh là 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 là, pas de chance aujourd'hui. Alors, ici, on est où là? Ah voilà. Vous allez continuer de creuser. Voilà. Toujours de profondeur pour cacher tous les câbles. Alors, ensuite vous allez tout relier. Hop, paf, 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 paf. Oups. Paf, 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 on va dire qu'on va mettre le levier ici. Tac, 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 tac. Et là, donc, normalement, les stéki sont là. Voilà. Vous avez vos sticky pistons comme ça. Vous allez remplir une colonne jusqu'à ce qu'on voit ici, ce dessus. Ensuite, vous allez poser que des répéteurs. Et vous allez les mettre juste à l'avant-dernier timing, quoi. C'est le relier tout ça ensemble. Voilà. Maintenant, vous pouvez refermer avec les blocs pour bien camoufler. Bon, moi, c'est un peu gênant parce qu'en fait, c'est de la dirt. C'est-à-dire que des fois, comme il y a... oui. Comme il n'y aura plus, en fait, de... comment dire? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Mettez bien la matière ici sur les sticks pistons, là. Comme, en fait, il n'y aura plus de... ah là là, je me sors plus. Voilà, comme il n'y aura plus au fait de soleil pour alimenter la dirt classique, et bah des fois il y aura des taches brunes comme ça et ça se confondra, mais bon, après au bout d'un certain temps ça s'enlève. Donc hop, je me suis ouvré de cran. C'est quoi ça? C'est pas cette là ça? Ouais, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Je me suis mal rangé quand j'ai mis les blocs. Alors vous voyez que là c'est tout le temps activé. Maintenant, si vous voulez en fait prendre l'aperçu vraiment très bon, du sens, parce que non, ce que je fais, j'ai fait tel système parce que j'ai mis là en fait quand c'était ouvert. Oh, puis, attendez. Oh. Voilà, c'est bon. Alors, pas qu'on prend justement la colonne, hein. Faire gaffe. Donc là c'est fermé, hein. Et là c'est ouvert. Donc il faut toujours activer dans le sens pour que la logique de Minecraft soit que quand le levier là est désactivé, ça soit ouvert, et quand le levier là soit activé, ça soit pardon, quand le levier là est activé, ça doit être ouvert. Donc pour faire ça, c'est obligatoire, hein. Vous allez mettre un inverseur, ça torche de redstone. Continuer, et là on pourra mettre votre levier. Alors mettez toujours une petite indication parce que sinon vous serez vraiment dans la merde. Je sais pas, mais planter un arbre, quelque chose comme ça pour vous indiquer en fait exactement où est le levier. Comme moi j'ai fait, en fait j'ai mis petite déco comme ça. Alors voilà, vous voyez que là on voit rien du tout, hein. C'est impressionnant. Et là quand on ouvre, paf paf, une petite colonne qui s'ouvre. Alors après moi j'ai modifié, j'ai mis des escaliers ici qui montent, et alors en fait quand ceux-là descendent, j'ai mis pas mal de timing sur ceux-là, comme vous avez pu le voir, ça met pas mal de temps à s'activer pour qu'en fait les escaliers aient le temps de descendre et pas que les pistons là les poussent vers le côté où ça donc casserait tout le circuit. Après ici pour sortir, vous pourrez continuer ici, hein, votre petite maison. Pardon, pour sortir, il vous suffit juste de prendre une échelle. Une échelle, une échelle, une échelle, échelle. Nya. Non. Ah voilà. Vous allez mettre entre les deux blocs. Vous allez sauter. Paf. Et là, vous la cassez pas. Si vous voulez la récupérer, hein, parce que sinon vous la récupérez pas. Vous allez hop juste remonter, et là epic fail parce que l'échelle, je crois qu'elle était mal placée. Bon, soit en général on la récupère comme vous avez pu voir tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura aidé, et bonne chance pour vous, hein, pour construire votre petite maison secrète
Allez, hop, au revoir.